Je crois pas qu'on paye déjà assez pour Kugelberg, nous, le Berg et moi. En l'œuvre? Comment en l'œuvre? Pourquoi? Vous voulez une église? Un voile, mais tout le monde. Ah là, votre église? Alors on veut de pute? De pute? Un peu nous aider, oui. Un peu nous aider, on paye déjà toutes les taxes avec vos petits ouvriers là qui n'ont pas. Bon, on paye toujours, on a toujours tout payé, toujours jusqu'à présent. Les bourses de Berchem, là. Quoi? Bourses? On se secteur, ça. Bourses. Bourses, si c'était moi, hein, Manneke. Eh bien, Kugelberg et Berchem, eux, c'est pareil. D'accord, excuse-moi. Excuse-moi. Mais tu dois pas te le dire. Tu dois pas te le dire. Tu dois pas te le dire. Mais non, Ben oui, qu'est-ce qu'elle va dire la mienne maintenant? Vous êtes bien. Bien en fait. Il fait semblant qu'on n'est pas là. Quand on a plein de rien. Il entend même pas, c'est tout de nous. Oh! Quand on a plein de rien. Soigne! Oh, c'était! Je vais mener. T'es pas au bistrot ici, hein? Oh, et quand on parle contre moi, on dit chef. Chef? Ou monsieur. Mais monsieur, lui, c'est pas c'est pas lui, c'est toutes les semaines que c'est la même chose. Et ça ici. Suffit. Il m'a traité de beau. Et on se tait. C'est toujours lui qui commence. Si vous continuez, vous allez dans le coffre. Regardez comment on est. Comme c'est de nouveau la même chose. C'est ça maintenant. Et que je vous entends plus, hein? On va sortir quand même. C'est la loi du 5 avril 1841 qui donne le jour à la commune de Kugelberg. Jusqu'à cette date, le hameau de Kugelberg était uni à celui de Berchem-Sainte-Agathe pour former une seule entité communale. Kugelberg zag het eerste daglicht door de wet van 5 april 1841. Tot op die dag was het gehucht Kugelberg verbonden aan Sint-Agatha-Berchem in één enkele gemeente. Quelques jours auparavant, le 31 mars 1841, une même loi faisait de Ganshoren une commune autonome séparée de celle de Jette-Saint-Pierre. On peut donc dire que c'est en cette année du milieu du 19e siècle que le nord de Bruxelles prend son visage administratif contemporain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Bien des causes avaient poussé à cette séparation. Depuis plusieurs années déjà, le canal de Charleroi avait provoqué l'apparition d'une zone industrielle qui s'étendait sur Molenbeek et sur la partie basse de Kugelberg. Vele redenen hebben deze scheiding in de hand gewerkt. Sinds meerdere jaren reeds had het kanaal van Charleroi de verschijning bevorderd van een industriële zone die zich op een deel van het grondgebied van Kugelberg en Molenbeek uitstrekte. Berchem était resté par contre un hameau agricole, peuplé de quelques familles paysannes nettement plus aisées que leurs voisines. La distance qui sépare les deux hameaux avait également rendu les communications précaires de l'époque hasardeuses. Une demi-heure de chemin de campagne était nécessaire pour aller d'un hameau à l'autre.
Il est vraisemblable que la construction de la nouvelle église Sainte-Anne à Kuckelberg a provoqué l'hostilité déclarée des habitants de Berkem, déjà conscients de subvenir très largement aux frais occasionnés par la mendicité et le paupérisme de leurs concitoyens kuckelbergeois. Il n'est donc pas étonnant que, dans ces conditions, ce soit les habitants de Berkem-Sainte-Agathe qui aient demandé la séparation de Berkem et de Kuckelberg en deux communes distinctes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze omstandigheden de inwoners van Sint-Agatha-Berchem de scheiding van Kuckelberg en Berchem tot verschillende gemeenten aanvroegen. Qu'est-ce que tu as fait à Kuckelberg maintenant? Je me promenais. Tu te promènes? Ouais. Tu viens voir une femme maintenant commencé? Welcome, je te paye un verre. Ah non, monsieur, moi je te paye un verre. Bon, ben allons, viens. Allez. Patron, bonjour. Un petit verre pour monsieur le Berchemois. Ouais. Santé, hein? Soit. Santé, Charles. Comme d'ost. T'es content maintenant? Que vous avez un peu plus d'argent? Une minute. Une minute. Et vous êtes maintenant à la plante, Rick. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Tu penses? Je vais faire te montrer ce que ça va être un coup de bec. Ben, on va aller voir. Ben, t'es qu'une petite blague, Rick. On va faire les voir, tiens. Bien. On a quand même une belle basilique maintenant. Ouais, hein? ouais, hein? Ça vaut la peine quand même. Ouais, parce que ça se trouve sur trois communes, hein? Ouais. Mais quand même, c'est la basilique de Kuckelberg. Pas celle de Berchem. Hein? Ben oui, oui. Hein? Ouais, mais avec notre caisse quand même un peu. Oui, sans bien, mais enfin, mais quand même, rien. Oui, mais je dois dire. Je dois dire, hein? C'est beau. On va visiter ça. Eh ben, on va aller voir la tête. Allez, ouais, bien, allez, viens. Je vous en.
Grande elle l'est, c'est sûr. Visible aussi, c'est certain. Il faut dire qu'on y a mille temps. Décidée dès 1904, la première pierre posée en 1905 et les travaux de fondation entrepris dès cette date, ce n'est qu'en 1925 que la construction proprement dite commença. Il faut dire qu'au premier projet qui prévoyait une énorme église gothique avait succédé les plans des architectes Van Uffel puis Paul Rome de style néo-byzantin. Hoewel in 1904 de bouw beslist werd van de basiliek en de eerste steen in 1905 werd gelegd, heeft de bouw pas in 1925 zijn eigenlijke start gevonden. Het moet gezegd worden dat het eerste plan een enorme gotische kerk voorzag, die nadien gevolgd werd door de plannen in neo-Byzantijnse stijl, getekend door de architecten Van Huffel en Paul Rome. En août 1959, on estimait déjà l'édifice à 330 millions de francs. En 1963 étaient achevés l'abside, le chœur, les nefs et le porche, soit à peu près tout le bâtiment, sauf l'immense coupole de 85 mètres de haut. Ce sera pour après 1970. Elle sera alors la quatrième basilique du monde. Consacrée en 1951, elle est dédiée au Sacré-Cœur. Le panorama sur Bruxelles y est grandiose. En 1914, des clôtures de planches entouraient les chantiers de construction. Au mois d'août, les gardes civiques y prirent position. Lorsque le 20 août, les soldats allemands atteignirent Ganshoren, les planches disparurent comme par enchantement. Patriotisme, peut-être. Rapidité, sûrement. La suite fut plus calme, plus nostalgique aussi. Les Tédéum s'y succèdent. Certains se souviendront de la visite papale, d'autres de la messe à la mémoire du roi Léopold III. Mais qui peut oublier la perspective de la basilique de Kuckelberg? Nadien werd het rustiger, nostalgischer ook. De Tédéums volgen elkaar op. De meesten zullen zich het bezoek van de paus wel herinneren of de mis die opgedragen werd ter nagedachtenis van Leopold III. Niemand kan het perspectief van de basiliek van Kuckelberg vergeten. Ben, tu vois ici, sur ce plateau, hein, ouais. Dans le temps où était la basilique là-bas, hein, ben là, il y avait un terrain de football. Et ah ici, bon, on faisait des courses de moto et de vélo ici autour. C'était hein, comme ça déjà ou... Non, oui, un peu, mais ça était au milieu. Hein, ah, et, ouais. Les gens tournaient autour. Hein, et ici, on est ici, hein, il y avait des moutons qui venaient manger. Ah ouais. Parce qu'un peu plus loin, là-bas, tu avais la bergerie. Hein. Ah, ils mettaient ces moutons ici. Ils mettaient ces moutons ici. Hein. Ah ouais. On avait tout, ouais, tout le tour, si c'était bien. Hein, ouais. Formidable dans longtemps. Ouais. Encore maintenant, maintenant hein, c'est, on dirait le poumon de Kuckelberg ici. Ah ouais, bah ouais, avec toute cette verdure. Et... Ouais, c'est... J'ai même entendu dire avant qu'on on voulait mettre un parc d'attractions. Mais... Oui, avec des grands trous comme Tivoli à Vienne, je crois. Qui n'a pas vu ce sommet de la capitale? D'abord prairie vallonnée, séparée de la ville par la tranchée creusée pour le chemin de fer, il accueillait les troupeaux de vaches et moutons des agriculteurs du cru. En 1868, les conseillers communaux de Kuckelberg, Ganshoren et Jett décident la création d'un parc, successivement appelé Plateau, Parc de Kuckelberg et enfin Parc Elisabeth, en souvenir selon certains de notre reine, qui, en compagnie du roi Albert, aimait s'y promener. In 1868 beslissen de gemeenteraden van Kuckelberg, Ganshoren en Jette een park aan te leggen dat achtereenvolgens Plateau en Park van Kuckelberg werd genoemd.
Later werd het tot Elisabethpark omgedoopt, ter nagedachtenis van koningin Elisabeth, die er vergezeld van koning Albert graag wandelde. Pour l'édification des lieux, 127 hectares sont expropriés. Pendant 12 ans, 4 sociétés immobilières s'attellent à la tâche. Enfin, le tracé du nouveau parc est établi par le commissaire voyer Victor Bem, comme celui des quartiers environnants, au doux nom de campagne. Plusieurs projets voient le jour pour animer les lieux. Construction d'un hippodrome, d'un tivoli à l'autrichienne avec parc d'attractions et grande roue. Édification d'un palais des expositions, d'un jardin botanique aussi. Enfin, d'un panthéon aux gloires nationales, rêvé par Léopold II, dit-on, au retour de Paris, mais abandonné dès 1904 pour un autre projet. Il en reste des noms d'avenues. In 1904 werd beslist de nationale basiliek van Kokelberg te bouwen. In dat jaar heeft Leopold II de eerste steen gelegd. De hopen zand die verzameld werden door de opgravingen en de funderingen hebben de kinderen van de wijk de mogelijkheid geboden om hun dagen door te brengen en er te spelen. Puis les dates s'enchaînent, les courses cyclistes aussi, Tour de Belgique ou courses d'amateurs. Les vacanciers enfin bien plus tard y passent au sortir de Bruxelles, d'abord en surface, puis en souterrain. Seuls les moutons de la rue Hercolyrs, où se trouvait également une ancienne bergerie, sont absents. Et on n'y chasse plus le papillon. Mais le kiosque est toujours là, et le plateau reste le lieu de promenade privilégiée des sportifs et des badauds. De schapen die in de omgeving van de basiliek graasden, zijn er niet meer. En men jaagt in de Herkulierstraat allang niet meer op vlinders en meikevers. Maar de kiosk staat er steeds nog. En de plateau is nog steeds de geliefkoosde wandelplaats voor sportievelingen en wandelaars. Hallo, zeg hem. Wat? Wat ben je? Zeg hem, voor mijn dame, ik had die vast gewoon een feestje. Het zal Simon is, hè? L'ancienne salle de menuisier. Ah oui. Ah ben c'est beau ici maintenant. Maintenant c'est un petit restaurant, c'est un café et on mange des bintjes et des vleugeltjes. Ouais, toi. Ouais, t'es rêve, hein. Ouais. Ouais. Et après, on va quand même voir la place, hein. Et puis, ouais, j'ai vu des drôles de bâtiments, là. Ah ouais, mais ça c'est le métro maintenant, hein. Métro. Pendant, on a fait la station ici, hein, mais maintenant c'est le métro, hein. Ah ouais. Ah ouais. Et il y a la poste derrière, hein. Juist derrière la poste. À propos de poste, ik kon hij het vertellen. Ouais? Ja, dat is hier en hij komt in de poste. Mooi goed zat, hè? Goed, hè? Meneer, jij maakt een pintje. Ja? En dat is geen café, meneer. Dat is een poste, hè? De café, dat is een beetje nuger, hè? Ah ja? Je kunt de postcode kopen, timbers en alles. En ze zeggen, ah bon? Ah wel, geef me een timber en pak toek in. Ja. Dat was een goeie. Dat is een goeie. Descendons donc vers les Champs-Élysées de Bruxelles. Nous arrivons au triangle formé par les avenues de Jette et de la Liberté à la place Simonis. Geen enkele inwoner van Kokelberg kan het talent van de beeldhouwer Eugène Simonis ontkennen. Gottfried van Bouillon en de leeuwen die de trappen van de congreszuil versieren, zijn een van zijn meesterwerken. En 1905 encore, le boulevard Léopold II ne disposait que d'une passerelle pour franchir la ligne de chemin de fer qui ceinturait Bruxelles. Au milieu de la place, le terre-plein était réservé aux compétitions de balles-pelotes. Vers 1909, un bioscope, le cinéma de l'époque, fut exploité au numéro 18 dans la salle de ce qui était encore, il y a peu, le Mailleur.
Cette attraction constituait une nouveauté et annonçait les salles obscures d'aujourd'hui. C'est sur cette place que s'élevaient les maisons des familles Bossart et Swartenbrück, dont les écoles communales portent les noms en témoignage des deux personnalités que furent Oscar Bossart et le docteur Armand Swartenbrück. Op deze plaats bouwden de families Bossart en Swartenbrück er in huizen die eveneens hun naam geleend hebben aan de gemeenteschoolen. Dit ter nagedachtenis van deze twee persoonlijkheden, namelijk de heer Oscar Bossart en dokter Armand Swartenbrück. Descendons encore vers le boulevard. Le promeneur arrive à une esplanade moderne où ont été construites récemment la station de métro Simonis et la nouvelle poste. À cet endroit, au début du siècle, on avait bâti une gare qui surmontait le pont de franchissement du boulevard Léopold II. Cette construction était complétée par deux bâtiments de part et d'autre de la ligne du même chemin de fer, soit en contrebas de la voirie. Ceux-ci servirent de hangar aux jardiniers locaux jusqu'en 1945. À ce moment, la gare fut désaffectée et la poste de Kuckelberg, située jusque-là avenue de Jette, prit possession des lieux avant d'être transférée provisoirement chaussée de Jette le temps de construire la nouvelle station de métro. Depuis 1984, elle a regagné, provisoirement peut-être, les lieux. Avant de quitter l'endroit, accordons un rapide souvenir à l'arbre du centenaire. En 1930, pour célébrer le centenaire de l'indépendance belge, on avait planté un arbre devant la maison du docteur Swartenbrück. Vers 1955 ou 1956, l'arbre est mort, mais le monument sur lequel il avait été planté est toujours visible, près du bac à sable, dans le parc Elisabeth. Alvorens we deze plaats verlaten, moeten we de boom van het eeuwfeest herdenken. In 1930 werd deze boom ter gelegenheid van de 100-jarige onafhankelijkheid van België voor het huis van dokter Armand Swartenbrück geplant. De boom stierf rond 1955-56, maar op de plaats waar de boom geplant werd, staat nog steeds zichtbaar het monument vlakbij de zandbak. La décision prise par les conseils communaux de Ganshoren, Jette et Kuckelberg de créer un grand parc sur le plateau en 1868 posait un problème d'urbanisation. Comment relier le parc à la ville, c'est-à-dire à la place Saint-Lette ou porte du Rivage? Il fallut 12 ans pour réaliser l'assiette de la chaussée en 1880. De beslissing van de gemeenteraden van Ganshoren, Jette en Kuckelberg om in 1868 een groot park op het plateau aan te leggen, bracht enorme urbanisatieproblemen met zich mee. Hoe het park met de stad verbinden? Of anders gezegd, met het Saint-Eletteplein of de Oeverpoort verbinden? Het heeft 12 jaar geduurd om de definitieve basis van de laan te realiseren. Mais quel boulevard! De loin, le plus long et sans doute le plus large de la capitale, le tout en ligne droite. Il comprenait deux chaussées, séparées par une double rangée de marronniers. C'est sur lui qu'avait lieu, depuis 1930, la foire annuelle Grande Fête Populaire, qui s'étendait de la place Simonis avec ses montagnes russes jusqu'au-delà de Kuckelberg. Devant la maison communale, la tradition voulait un cirque. Malheureusement, en 1954 ou 1955, la circulation en était à ce point perturbée que la foire fut interdite. C'est en cette même année que les marronniers, devenus entre-temps superbes pourtant, disparurent. Ils laissèrent la place au viaduc de Kuckelberg, large pont aérien à trois bandes qui reliait directement la place Rogier au carrefour de la rue Sainte-Anne. Sa construction avait été imposée par l'exposition universelle de 1958.
Puis ce viaduc disparut à son tour pour laisser la place à un tunnel, ce qui imposa la construction d'un viaduc métallique provisoire, aujourd'hui remonté en Extrême-Orient. On ne peut que saluer la patience des riverains qui en 40 ans n'ont cessé de voir le boulevard éventré et leur trottoir être remplacé par des planches. Het viaduct verdween om plaats te maken voor een tunnel. Een tijdelijk metalen viaduct werd opgesteld. Deze kan men nu bewonderen in het Verre Oosten waar hij opnieuw werd opgesteld. Het geduld van de omwonenden moet bewonderd worden. 40 jaar lang hebben zij ononderbroken de veranderingen meegemaakt. Trottoirs werden geregeld door planken veranderd. Mais le résultat est là, superbe, enfin presque. Et le boulevard Léopold II retrouve son lustre d'antan et redevient l'une des plus belles artères de Bruxelles, s'ouvrant sur un parc refait et sur une basilique enfin implantée dans un cadre fini. Mais que de travaux pour en arriver là. Au numéro 250 se trouve la maison Stepman. C'est là que Charles Stepman, sculpteur de renom, passa sa vie. Il y constitua un véritable musée, où se réunissait également le cercle d'art Eugène Simonis qu'il avait fondé. À sa mort, en 1964, la maison fut reprise par la commune, qui en fit sa maison de la culture. Chaque année, des expositions de peinture ou d'œuvres d'art y sont organisées. On peut également y suivre des cours dans la plupart des disciplines artistiques plastiques. De heer Charles Stepman, gekend beeldhouwer, heeft zijn leven lang in het huis nummer 250 gewoond. Hij heeft er een waar museum gebouwd, waar ook de kunstgroep Eugène Simonis, die hij opgericht heeft, geregeld samenkwam. Na zijn dood in 1964 werd zijn huis door de gemeente overgenomen, die er sedert 10 jaar cultuurhuis heeft van gemaakt. Jaarlijks worden er allerlei kunstentoonstellingen georganiseerd. Men kan ook in het Stepmanhuis allerlei cursussen volgen, meestal in het bereik van plastische kunsten. La rue Sainte-Anne nous conduit à la place Van Uffel. Le quartier de l'église Sainte-Anne, riche en commerces multiples, est l'un des plus anciens de la commune. En 1839, la chapelle établie près du grand étang dite de Schmitz est désaffectée. Elle est remplacée par une nouvelle église paroissiale construite sur la place communale. Cette église était bâtie en recul de 15 mètres sur la voirie. Ses côtés, comme son arrière, servaient de cimetière. C'est là que reposaient Eugène Simonis et l'écrivain flamand Félix van de Zande. En 1916, le cimetière est désaffecté à son tour. De Sint-Anna-wijk, waar de handel welig bloeit, is een van de oudste van de gemeente. In 1839 wordt de kapel, die vlakbij de grote vijver, een Schmitz genoemd staat, niet meer gebruikt. Ze wordt vervangen door een nieuwe parochiekerk die op het Henri van Uffelplein geplaatst wordt. Op 15 meter van de straat wordt de kerk opgetrokken. Opzij en achter de kerk werd het terrein als kerkhof gebruikt. Eugène Simonis en de Vlaamse schrijver Félix van de Zande vonden er hun laatste rustplaats. In 1916 wordt het kerkhof op haar beurt niet meer gebruikt. En 1910, l'église de 1839 cède la place à une nouvelle construction, alignée sur la voirie cette fois et nettement plus grande. Malheureusement, la nature sablonneuse du sol crée immédiatement des fissures et des chutes de pierre. En 1920, un paroissien fut d'ailleurs blessé, même peut-être tué. Mais il semble que le clocher au moins était solide, puisqu'en 1985, lorsqu'on voulut le mettre à bas pour détruire l'édifice jugé dangereux pour la population locale, il refusa de s'écrouler et ne s'avoua vaincu qu'au troisième essai. On avait eu chaud. Une nouvelle église, moderne et beaucoup plus discrète, a remplacé l'ancienne depuis 1989.
En face de celle-ci, occupant l'autre longueur de la place communale, se trouve la maison communale. Les premières réunions des conseils communaux se tenaient dans l'ancienne chapelle désaffectée. Mais en 1882, une nouvelle maison communale est construite sur la place Van Uffel. Elle comportait également le bureau de police, l'arsenal des pompiers et un bureau de bienfaisance où les indigents faisaient la file les jeudis soirs pour obtenir du pain. De eerste vergaderingen van de gemeenteraad werden in de verlaten kapelle gehouden. In 1882 werd het nieuwe gemeentehuis op het Henri van Uffelplein gebouwd. De politie, de pompiers en de armenverzorging, waarvoor men in de rij stond op donderdag om brood te krijgen, waren allen in het nieuwe gemeentehuis gevestigd. Entre les deux édifices, le centre de la place se composait d'un grand réverbère à cinq branches, également d'un ballodrome où se jouaient les matchs de balle-pelote. En 1936-37, une nouvelle façade est apposée sur celle de la maison communale et l'on profite de cette occasion pour agrandir et moderniser les lieux. Ils ont dès lors, à peu de choses près, le visage que nous leur connaissons aujourd'hui. Le terre-plein disparaît lui aussi de la place communale. Comme les cimetières sont déplacés pour raison d'hygiène en dehors de la cité, on perce la rue Sergeissels et un nouveau quartier est créé avec de grands immeubles et une école moderne à laquelle on donna le nom d'Oscar Bossart. De kerkhoven werden om hygiënische redenen naar de buitenstad gebracht. Door de vrijgekomen plaats kon men de Sergeisselstraat aanleggen. Een nieuwe wijk rees er uit de grond met grote gebouwen en een moderne school genoemd naar Oscar Bossart. Par la rue Jean-Jacquet, qui est dans le prolongement de la rue Sainte-Anne, autrefois divisée en trois tronçons, au nom de rue de l'Église, rue du Sabot et rue de la Cuillère à Pau, on descend vers le stadium, berceau de Kuckelberg. C'est là en effet que se trouvait le château et jusqu'au début du siècle le vaste étang dit de Schmitt. C'est là que, à cause de l'eau des lieux, dit-on, s'étaient établies plusieurs industries. Het kasteel bevond zich inderdaad ginder. En tot het begin van deze eeuw was er de vijver genaamd de Schmitz. Naar men zegt, zou het dankzij het aanwezige water zijn dat de industrie er zich kon vestigen. À l'endroit de l'actuel stadium, le hall des sports inauguré en 1970, existait une tannerie qui devint maroquinerie belge puis céda la place au caisserie Van Kampenhout. Plus haut existe encore la ferblanterie Gabriels. On trouvait aussi les étangs Calu, les ébénisteries Van der Wegen et Sergeissels, une miroiterie, la fabrique de chaussures Dunt, l'atelier de reliure et d'imprimerie Vindelings. C'était l'époque où les chiens de Kuckelberg étaient parfois bleus, parfois verts ou jaunes, et où leurs crottes, vendues au seau, valaient 10 centimes rue Schmitt. Celle aussi où la journée à l'usine commençait à 6 heures et cessait au coup de sirène ou de sifflet. Iets hoger gelegen in de omgeving van het huidige plateau pronkte de grote brouwerij van Kuckelberg waar men het bokbier brouwde. Hoewel er rond 1900 nog maar twee brouwerijen op het grondgebied van Kuckelberg overbleven, was het verbruik er zeker niet minder om geworden. Un peu plus haut, aux abords de l'actuel plateau, trônait la grande brasserie de Kuckelberg où l'on distillait le bock. S'il ne restait plus sur le territoire de la commune en 1900 que deux brasseries, les débits de boissons, par contre, étaient certainement plus fréquents. La rue Schmitt à elle seule en comptait 12, côte à côte. On peut imaginer qu'ils étaient les lieux favoris de Franz Ehlings, le joyeux bourgmestre morfou, et du capitaine Zatt, puis plus tard, de la danseuse, toujours vivante dans la mémoire.
Au cabaret d'Adolphe de Vos, à côté de l'église, on pouvait entendre en 1906, et on n'y manquait pas, un phonographe à pavillon pour rouleau et 10 hommes. Monsieur Eugène, on peut avoir deux bières, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Enfin, parce qu'on a beaucoup marché aujourd'hui, hein? Ah, qu'est-ce que tu m'as fait courir, tu? Mais on a tout vu de Kuckelberg, hein? Ben oui. Et qu'est-ce que tu en penses, maintenant, de notre commune? Ah oui, ça, tu m'as convaincu. D'ailleurs, j'y pense que je vais venir habiter ici. Et en plus, c'est le 150e anniversaire, hein? Il y a des tas de fêtes qui se passent dans tout Kuckelberg, hein? Et comment, qu'est-ce qui se passe? Tout. Des fêtes, des défilés, de la police, le bourgmestre. Tiens, ton bourgmestre aussi invité. Ah bon? Oui, tout le monde va venir. Ça va plein de monde. On peut venir. Ah, tu vas voir, on va d'ailleurs y aller, tiens. On va boire du vin et puis on va faire la fête. Hein. Oui, allez, ben, on... santé. Hein. C'est bon, hein? Là-bas, où il y a un scapoulier?